Salut tout le monde, c'est Vanrak et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Luigi's Mansion 2. Alors Luigi, où veux-tu aller? On s'est arrêté à la mission A2, donc on va continuer naturellement avec la mission A3. Oui, manoir du désespoir. Manoir du désespoir, donc. Et la mission A3 se nomme Tragédie musicale. L'occultographe indique que l'activité ectoplasmique dans l'aile nord du manoir a encore augmenté. Grâce au rouage, tu vas maintenant pouvoir aller voir ça de plus près. Ah, Luigi, tu voulais me demander quelque chose? Ah oui, évidemment. Tu veux en savoir plus sur le mécanisme qui se trouve dans le grand hall. Voilà, avec ce panivelle, tu vas pouvoir faire fonctionner le mécanisme. Ainsi, tu ouvriras l'accès à l'aile nord du manoir du désespoir. Non, la globule. Le cryptographe détecte un nouveau signal. Ah, figure-toi qu'il provient justement de l'aile du manoir à laquelle nous tentons d'accéder. Je vais essayer d'isoler ce signal. Bien, il s'agit de... musique. Comme c'est étrange. Si mes souvenirs sont exacts, il y a un piano dans la bibliothèque. Nous avons peut-être affaire à un fantôme mélomane. Quoi qu'il en soit, il faudra commencer par ici. Nom d'un microscope. Oui, nom d'un microscope. Sa signature paranormale est d'une puissance incroyable. Son fantôme pianiste doit être une sorte de chef dans la société spectrale. Il n'y a pas de temps à perdre, Luigi. Tu dois te rendre dans la bibliothèque et le capturer. Bien, 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 bien. Bon. Continuons notre périple dans le manoir. Dans le premier manoir, pour être plus précis même d'ailleurs. Bon. Alors, utilisez la manivelle dans le grand hall. Avant ça... on va déjà voir s'il n'y a pas des trucs à récupérer à droite à gauche. Alors, alors. Ah, ça va plus régner. C'est bon, ça ouvre. On va peut-être pouvoir aller voir le petit chien, à moins qu'il soit plus là. Celui de la première vidéo. On avait vu derrière la fenêtre de droite ici. Ah, hé hey. On avait vu un chien fantôme se promener. On aura à y faire. On aura affaire à lui plus tard. Au moins qu'on puisse déjà. Le rencontrer aujourd'hui. Alors. Non, visiblement, ce n'est pas le cas. On peut toujours pas ouvrir cette porte. Bon. Bah si, on peut l'ouvrir, mais elle reste pas ouverte. Bien, bien, bien. Bon, alors ici, on a presque tout vu, il nous reste ça. Hop, 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 hop. Ce serait dommage de louper les billets quand même. Sachant qu'on a besoin de cet argent pour améliorer... notre équipement. L'aspirateur et tout. Alors, entre les araignées et les souris. Hop.
Bah, il y en a combien? Wow! Elle est con celle-là! J'ai cru qu'elle allait m'avoir! Hop! Y'a rien au-dessus! Non, y'a rien au-dessus! Bon! On récupère pas grand-chose hein, pour l'instant! Je pense jamais aller voir dehors! Il peut y avoir des trucs à apprendre dehors! Sait-on jamais? Ah, j'ai pas de chance parce que là j'ai le soleil en plein sous l'écran. Et puisque je joue pas sous l'écran de la console, je joue directement sous l'écran. Sous l'écran qui me sert pour l'ordinateur. Et là j'ai le soleil qui me casse un peu les pieds. Alors que l'on vienne à jouer sur l'écran de la console directement. C'est quand même beaucoup plus agréable en grand qu'en petit. Parce que même si la console c'est une pixel, c'est quand même plus agréable sur un écran. Sur une télé d'un mètre. Parce que c'est une télé qui me sert d'écran ordinateur. Waouh, je m'attendais pas. Quand j'ai vu qu'il n'y a rien qui venait, je me suis dit c'est bon, il n'y a rien. Eh ben si, il y avait. Non. Bon, on prend notre temps, hein, parce qu'en général, l'émission dure pas plus de 20 minutes. Bon, en explorant, ça fait des petites vidéos d'une demi-heure. Allez, viens par là, toi. Oh purée, ils sont jaunes. Les jaunes rapportent vachement d'argent. Ah, qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah, mon garçon, je vois que tu as ramassé pas mal de pièces, billets et lingots. Ce n'est pas un reproche, au contraire. Personne ne vit ici, tu peux tout garder. D'ailleurs, je suis moi aussi en train de mettre des ressources de côté. Je compte m'en servir pour développer des améliorations pour l'Ectoblast 5000. Bonne chasse au trésor, mon garçon. Ah. Tout ça pour me dire ça. Ça valait bien le coup. Rien là. Il n'y a rien dans la lampe. Toc, toc, toc. La petite serviette. Non. Ah, j'ai attendu cette fois, hein. Je me suis dit. Sait-on jamais? Tout à l'heure, ça m'a surpris. Ouais, le tapis, on peut pas. Bon. Ah, les araignées, mais c'est pas vrai, il y en a partout. C'est dans la pièce d'avant, la grande pièce, qu'il faut utiliser la manivelle. Et comme j'ai dit, nous allons chercher un petit peu. Voir s'il y a pas de trucs à collecter. Non, non, pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Mais pas très 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 gâté. Par contre, je me demande pourquoi je peux pas le récupérer ça. Ça va faire partie de notre équipement plus tard, mais apparemment on peut pas le prendre tout de suite. Tac tac tac.
Le petit passage. Le petit passage est vide. Trois pièces, c'est tout. Ah, ça vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup, les gars. Je sais pas ce qu'il a vu, pourquoi il a fait ça. Moi j'ai rien vu en tout cas. Non, ouais, on avance. Si je trouve qu'on traîne un petit peu. J'ai dit qu'on avait le temps, mais quand même. Il y a à avoir le temps. Et avoir le temps. Voici donc le fantôme que nous allons devoir capturer dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque, je vais y arriver à parler normalement. Arrêtez de prononcer ça comme Homer Simpson. Hop, là, il y a une porte importante. Pour l'instant, elle est cachée. Allez, on va utiliser le mécanisme. On va avancer un petit peu dans nos objectifs. Et arrêtez de faire les idiots. D'accord, ça fait baisser l'aquarium. Ok. Bon, il est vide. Oh. Je suis déçu. Je suis déçu. Alors. Continuons l'exploration. Ah, grosses araignées. Des grosses, grosses araignées. Il n'y a rien. Dans le... tout au plafond. Ça nous dit qu'il n'y a rien du tout non plus. Mais il est vide ce manoir aujourd'hui. Il est totalement vide, oui. Non. Non plus. Bon, d'accord. Ok, non mais d'accord. Là il y a un billet. Là non. Hop. Alors. À chaque fois, tu peux dire qu'il sera collé au mur. Ah, quelques petites piécettes. Non. Ah, une. Oh, pff. Ouais, bah, quitte à en mettre une, on peut en rien mettre. Je sais plus comment on les active les tableaux. Je sais qu'il y a moyen de récupérer des trucs dedans. Il me semble. J'arrive pas à me souvenir comment ça fonctionne en fait. Hello.
là. Oh. Allez, on descend. Pour se retrouver ici, c'est vrai. Bon, on a tout fouillé. Maintenant, on peut continuer d'avancer. Une fois de plus. Aujourd'hui, c'est l'épisode de l'andouille. L'épisode l'andouilliste. Allez, la porte, on l'a débloquée. Bonjour. Allez, viens par là, toi. Hop. Oula. Oula. Allez, le gros. Allez. Seulement 3 pièces. Bon. Ah, le petit nonos. Je sais plus à quoi ils servent les ours. Il me semble que c'est si on arrive à zéro cœur, ça donne nous. Il me semble que si on arrive à zéro cœur, ça fait comme les fées dans Zelda. Ça doit nous permettre de revenir à la vie sans avoir besoin de tout recommencer. Ah mais dégage toi. Je voulais pas t'aspirer, mais tu me laisses pas le choix quoi. Qui est parti derrière pour corne. Il me semblait. Alors soit il a disparu comme j'arrive, soit j'ai mal vu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit par ici? Ça nous dit qu'il y a une grosse toile d'araignée que je ne peux pas faire pour l'instant. Il y a des chauves-souris qui m'embêtent. Mais ça va, oui. Il y a des grosses toiles d'araignée donc qui m'embêtent. Ah, il y a moyen de faire quelque chose. D'accord. Il y a un lingot, un mécanisme activé. Mais il faut se mettre bien en face. Ouais, on peut pas d'ici. Bon. Alors là, j'ai remarqué qu'il y avait un pompon au plafond. Allez, échappe-le. Mais c'est bon, oui, j'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit, je pouvais pas bouger. La seule prix, c'est bestioles. Ah, la gemme. La gemme cachée. Ah, nouveau fantôme. Attends. En même temps, ça rapporte toujours plus. Alors, je voulais voir s'il y avait moyen de le faire. Et oui, il y avait bien moyen. Alors, par contre, la gemme, je voudrais la réchauffer pour la faire tomber.
la bibliothèque. Bonjour monsieur, je vous dérange pendant votre séance de piano. Ça ne vous plaît pas? Bon, là c'est pareil. Hein. C'est la même chose. Que ça vous plaise ou pas, je m'en fiche. Qu'est-ce que c'est qui fait mimi? À aucun moment il apparaît. À aucun moment il apparaît. Bonjour. Puis-je savoir comment vous avoir? Les bougies, ça ne fait rien. Oh, dégage avec ton bouquin. Mais éteindre les bougies, ça ne fait rien. D'accord. Ah. Allez, mais laisse-moi faire. Regarde, t'es presque au bout. T'es presque au bout, là. Voilà. C'est bon. Ah, il y en a pas qui, hein. D'accord. Allez, viens par là, toi. Allez. Ah merde. Ah oui, forcément. Hop. Seulement 3 pièces. Pour un gros comme ça, seulement 3 pièces. Bon, le dernier, il est où là? Enfin, le dernier, je suppose. Ah, ouais, faut attendre un petit peu, il se protège avec le bouquin. Ok, ça j'avais pas encore vu. Où est-il? Là, là. Oh, il est où? À l'étage du dessus? Ah non, là. Ah, il faut pas se mettre en face du bouquin, forcément. Suis-je bête? Il est par là. Alors, je sais pas qui c'est qui sonne à la porte là. Il commence à m'enquiquiner, sérieux. Ah, mais c'est pas mal. Allez, sors. Oh, loupé. Oh, n'importe quoi. Mais non. Oh, c'est pas vrai. C'est le dernier. Les deux autres, j'ai pas eu trop de soucis. Lui, il va m'enquiquiner. Allez, c'est bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Luigi, tout va bien? Tu m'as fait très peur, l'espace d'un instant, mon garçon.
Ma foi, ces fantômes n'ont pas qu'un cerveau, ils ont aussi des muscles et un sacré caractère. Ils t'ont lancé des livres à la figure, cela me rappelle bien des souvenirs. À l'université, certains de nos professeurs aient même attaqué de cette manière. Sacrée université, j'enverrai pas mes gamins, ce qui est sûr. Bref, je vais tout de suite te ramener, j'ai hâte d'étudier ces spécimens. Allez, mission accomplie. Oh, yes. I did it. Oh, oh. 21 minutes, 10 fantômes. Ouf, 85. S'il n'y avait pas eu les cœurs pour me soigner, je serais presque. Je dis bien presque mort. Content de te voir de retour en un seul morceau, Luigi. Ouais, moi aussi. Alors, nous avons capturé une nouvelle gemme. Un nouveau type de fantôme. 43, wouhou. Ah oui, tu m'étonnes. Ah, nouvelle amélioration. Ah, niveau 2. On va être plus puissant. Si on remplit la barre jusqu'au premier trait, ça fait aussi mal que ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Si on remplit la deuxième barre, la barre jusqu'au bout, ça fera beaucoup plus mal. Il va pouvoir charger la jauge d'Aspira plus longtemps et affaiblir les fantômes encore davantage en appuyant sur A. C'est ce que je disais. Les cérébrus sont nettement plus puissants que les autres fantômes, mais ce ne sont pas des menaces. Malgré tout, on va sûrement apprendre beaucoup de choses en les étudiant. Toutes ces espèces de fantômes me fascinent au plus haut point, mon garçon. Thèse, hypothèse, antithèse, synthèse, quel bonheur d'être un scientifique. Bref, voilà qui ouvre moult nouvelles perspectives dans mes recherches sur le monde paranormal. Je suis à l'aube de découvertes fondamentales dans ce domaine, je le sens. Quant à toi, Luigi, quand tout sera fini, tu pourras enfin sortir de l'ombre de ton frère et devenir un vrai héros. Ah. Bien, 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 bien. Voilà, mission A3 terminée. Nous enchaînerons la prochaine fois avec la mission Illusion Retrouvée. Qui doit être, si je me rappelle bien, l'avant-dernière du manoir, de ce manoir-là. Ouais, une seconde, je vais vous dire ça. J'ai la liste de toutes les missions, puisque j'ai déjà fini le jeu une première fois. Alors... Manoir du désespoir... Ah non, non, ah oui, d'accord, il y en a encore après. Donc A4, A5, le boss, et encore un autre truc derrière. Je vous tisse pas plus que ça. On va retourner sous l'autre partie. Ouais, allez. Sur ce, je vous dis ciao et à bientôt pour la suite de Luigi's Mansion 2. Bisous bisous, salut.